suivant ce reportage des propagandistes de la France. Une fois encore, nous sommes en train de démasquer ceux qui sont derrière le coup d'État en Guinée. Vous savez, les médias RFI, France 24, c'est des médias presque d'État. Et suivons ce reportage. Sur l'axe Amdalé-Kouza, des zones habituellement très animées, en calme précaire régnait tout au long de la journée. Peu d'activité économique ce lundi, plusieurs boutiques étaient fermées et il y avait peu de circulation. Tout au long de l'axe, un fort dispositif sécuritaire de la police et de la gendarmerie était visible. Par contre, dans le centre-ville et sur l'autoroute avoisinante, tout fonctionnait comme d'habitude. La circulation était dense, les commerces ont sorti leurs étals et les boutiques sont restées ouvertes. Quelques citoyens rencontrés dans la ville nous ont expliqué qu'il est difficile, quand on travaille au jour le jour, de s'arrêter une journée. Partagez au maximum. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Rester à la maison ne va pas arranger les choses. On peut changer les choses autrement. Mais en ma qualité de citoyenne, de maire, de responsable de ménage, je crois que je ne pouvais pas rester à la maison. Il fallait que je m'occupe de ma journée, comme d'habitude, et que je vienne au marché. La Guinée est un peu... Mais quand je dis le CNR, c'est des bêtes, hein, Naluma. Et attendez, je vais retourner un peu la vidéo. Cette Dakalajan que vous voyez là, celle que vous voyez là, une mythomane, une opportuniste, ce au temps du président Alpha Condé, les femmes qui ont cotisé là, cette Dakalajan que vous voyez là, cette mythomane, Dame Fatoumata, depuis que toi tu vas au marché, lundi, tu as un poste de responsabilité. Il y a eu le décret est sorti pour toi ici. Lundi, jour ouvrable, toi tu vas faire le marché. Toi avec tes lunettes là, avec toi tu fais le marché. Mais vous pensez que cette propagande-là, la Guinée n'est pas pour les Français. Vous avez fermé les médias en Guinée, non? Les bandits ont fermé les médias. Mais c'est vous les propagandistes. Dakarajan, Via Fola Mousso, Ko. De citoyens, de maires, de responsables de ménage, je crois que dans le centre-ville, hein? Sur l'autoroute, Ko, elle fait le ménage. La circulation était dense, les commerces ont sorti leurs étals et les boutiques sont restées ouvertes. Quelques citoyens Ko, quelques citoyens. Nous ont expliqué vous n'avez pas honte le jour de s'arrêter une journée entière. Nous sommes dans un pays en Regardez. Rester à la maison ne va pas arranger les choses. On peut changer les choses autrement. Mais en ma qualité de citoyenne, de maire, de responsable de ménage, je crois que... Vous voyez, tout ce que vous montez, se retourne contre vous. Toi qui n'as même pas honte. Dame Fatoumata, au temps du président Alpha Condé ici, tu as quitté en France, tu avais quoi? Zéro. Tu es venu, vous avez profité du système. Mouvement des jaunes ici, là, c'était qui? Tu as essayé d'enlever toutes ces photos-là sur ta page. Mouvement des jaunes, vous avez pris combien avec les gens? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Que toi, tu es agriculteur. Quand vous regardez ici, là, c'est quelle agriculture on voit ici, là? C'est quelle agriculture? Moi, je suis mère de famille, nanani, nanana. Toi, quand tu fais agriculture, c'est ça, agriculture? Ça, là, c'est ce qu'on appelle agriculture? Fermière, d'après elle-même. Ici, là, on voit quoi ici? Tu es là, tu es exhibé sur les réseaux. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, on dit l'apparence est trompeuse. Toi, depuis que tu parles agriculture, il y a des gens en Guinée qui produisent 10 000 fois mieux que toi. 10 000 fois. Toi, tu n'es qu'une trompeuse. Regarde. Et moi, je devais... Regardez, une trompeuse. Ça là, c'est agriculture ça. Quand on regarde ça là, on voit quoi? Quelle plante on voit ici? Quelle agriculture on voit ici? Propagandiste. Les Guinéens sont en train de mourir de faim. 19 200 personnes sans emploi.
Et un bandit comme Mamadi vient, c'est toi propagandiste, c'est vous qui payez France 24. Tu veux que toi tu fais le ménage. Toi tu fais quel ménage? Ton mari le sait. Toi tu fais quel ménage? Toi tu pars au marché pour faire quoi? Menteuse. Mythomane. Tu n'es qu'une mythomane. Même si on avait rencontré des citoyens ordinaires, parce qu'ils savent que les gens là allaient dire, ah, la vie est chère. Mais c'est vous les mythomanes. Il est voilà l'enfer du manque là, il tienne. Via Fola. Tu n'as même pas honte. Il est l'enfer qui tienne. Tu as été nommé par décret. Le lundi, tu devais te trouver au bureau. Mais tellement qu'ils sont bêtes pour eux, si elles parlent. Vous ne parlez pas pour la communauté internationale. Bon. Regardez. Banane qui n'a même pas donné là. Vous voyez quel genre de forme ici? Banane là, où ça est? Où est Banane ici là? J'étais évité à cause des bonnes personnes. Mais comme tu veux que je te lave, je vais bien te laver. Ton vrai dossier, je vais donner aux gens. Ton vrai dossier, je vais donner. Comme tu es propagandiste là. Moi, tout ce que je dis, je sais que demain, c'est le bon Dieu. Je serai jugé. Il t'est malu, Yalao. Tu n'as même pas honte. J'ai pitié pour ton mari. Hein. Ça, là, c'est agriculture, ça. Ça, c'est agriculture, ça. Quand on regarde ici, là, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est agriculture. Itato, en qui nous sont forts. Itiroja, en qui nous sont forts. Hein? Itato. Regardez. Il y a quelle agriculture ici? Ou bien ça là aussi, les eaux qui sont derrière là, c'est ce que tu es en train de nous montrer. Que je suis agricultrice. Nanani nanana. Mythomane. Mythomane. Moi, j'avais fait le marché. Lundi. Depuis quand toi, tu vas au marché. Menteuse, mythomane. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Hein? Mythomane. Les Guinéens doivent comprendre que... Attendez, je vais encore rejouer la vidéo. Que c'est la France. Tout ce que nous sommes en train... Voilà. Voilà, écoutez le reportage de France 24. Partagez. Il y avait peu de circulation. Tout au long de l'axe, un fort dispositif sécuritaire de la police et de la gendarmerie était visible. Par contre... Dans le centre-ville et sur l'autoroute avoisinante, tout fonctionnait comme d'habitude. La circulation était dense, les commerces ont sorti leurs étals et les boutiques sont restées ouvertes. Quelques citoyens rencontrés dans la ville... Pour quelques citoyens. Et c'est la mythomane qu'on met là-bas pour citoyens, aux femmes de ménage. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Rester à la maison ne va pas arranger les choses. On peut changer les choses autrement. Mais en ma qualité de citoyen, de maire, de responsable de ménage, je crois que... Où est ton panier, mythomane? Une femme de ménage, quand elle part au marché, elle tient un panier. Mythomane, Djahili. D'abord, c'est pour dire aux Guinéens, les gens là pensent qu'ils sont intelligents. Partagez. Au temps du président Alpha Condé, France 24 était en Guinée. Vous avez une fois vu de telles propagandes? UFDG, je vais parler FNDC en général. Il y a eu combien de manifestations au temps du président Alpha Condé? Vous avez vu de telles propagandes? Malgré que l'opposition sortait, oui, les gens ont respecté les consignes. Mais est-ce que vous avez une fois vu France 24, TV5 Monde, pour dire non, 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 les gens ne sont pas sortis ou interviewer les gens? Vous avez vu ça? Vous avez vu de telles interviews? Mais le CNRD, nous-mêmes nous sommes contents. Mamadou Doumbouya, le français, Mamadou Doumbouya, le marionnette de la France, avec les médias de la France, vous fermez les médias en Guinée. C'est France 24. On ferme nos journalistes. On détruit la vie des gens. C'est France 24 vous faites venir pour faire la propagande avec les escrocs, les démagogues du CNRD. Ah, les Guinéens, vous avez compris maintenant pourquoi il y avait les mercenaires le jour du coup d'État contre le président Alpha Condé. Je vous ai dit le coup d'État, ce n'était pas à cause du troisième mandat. Le coup d'État, d'ailleurs la vie des Guinéens, sous le président Alpha Condé. La vérité, c'est ce que Dieu est en train de nous montrer aujourd'hui.
Ça n'a rien à voir avec le troisième mandat. Le coup d'État, c'est la France. Et c'est le légionnaire Mamadou Doumbouya. Idi Amin, c'est l'agent secret de la France. C'était le double agent, Idi Amin. Tout le coup d'État, le cerveau, c'est Idi Amin. Montage, tout, il était le directeur de cabinet. Le président Fakonde n'a rien vu venir. Tous les montages, Idi Amin. Et c'est pourquoi c'est le seul général avec Mamadi. Tout le coup a été monté. Sa famille, toute sa famille est en France. Au moment qu'il était, on l'a envoyé à Cuba comme ambassadeur, Idi Amin faisait des va-et-vient. C'est pourquoi le jour du coup d'État, vous avez vu des mercenaires. La ville était remplie de mercenaires contre le pouvoir d'Alpha Condé. Ce n'était pas contre le troisième mandat. Ça n'avait rien à voir avec droit de l'homme, démocratie. Non, à cause de Simandou, à cause de leur intérêt. Parce que le président Alpha Condé avait fermé les tuyaux, les robinets. Oui, quand un chef d'État en Afrique essaie de nationaliser les ressources, les Occidentaux se lèvent automatiquement contre ce chef d'État. Aujourd'hui, ce n'est pas le Congo, les Apple, ceux qui fabriquent iPhone, ils ont besoin de quoi? Cobaye et autres, là, les grandes puissances. Mais aujourd'hui, le Congo, qui est agressé par le M23, est-ce que vous entendez la France, les grands pays aujourd'hui, pour aller soutenir, comme ils le font en Ukraine? Ils ne défendent que leurs intérêts. Le Congo aujourd'hui qui est agressé, ils ne vont pas aider un président démocratiquement élu. Le Congo aujourd'hui est agressé à cause de sa matière première. Donc, les Guinéens doivent comprendre cela. D'autres étaient contents le jour du coup d'État, la présence de ces bandits-là. Et aujourd'hui, c'est les médias France 24, RFI, qu'on utilise aujourd'hui. Lorsque les leaders politiques appel, pourtant au temps d'Alpha Condé, ils utilisaient les mêmes leaders politiques pour salir le président Alpha Condé, pour faire croire à la communauté internationale que le président Alpha Condé n'est pas aimé, ne fait rien pour la Guinée. Ah, la Guinée-Ka, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Ouvrez vos yeux maintenant. L'enjeu, c'est Simandou. Les Guinéens sont en train de pleurer. Pendant ce temps, ils sont en train de signer les contrats parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas des élections en Guinée. Ce n'est pas des droits de l'homme, ce n'est pas les médias. Voilà, on ferme les médias, ce n'est pas leur problème. Tant que les contrats miniers sont signés, ça va, il y a la démocratie en Guinée, tout va bien en Guinée. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, tant que nous ne nous levons pas pour dénoncer l'implication de la France dans ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, je vous dis que rien ne va changer. Tant que nous ne nous levons pas pour dénoncer la France, Macron, leur sale politique de détruire la Guinée, nous n'allons pas nous en sortir. Et c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. C'est la France que nous devons indexer. Mamadi est un légionnaire. Sa femme est gendarme française. Et vous voyez aujourd'hui, au sein de l'armée guinéenne, la présence des militaires français, au sein de la gendarmerie, on vous a montré des preuves suffisantes. Donc, je crois que tout le monde doit comprendre ça. Et des mythomanes comme ça, hein? Une vendeuse de piment comme ça, là. Vendeuse de piment comme ça. Une menteuse comme ça. On peut changer les choses autrement, mais en ma qualité de citoyen, de maire, de responsable de ménage, je crois que... Toi, mythomane, je crois qu'après cette transition, tu vas te retourner en France. Tu n'as pas dit que tu es femme de foyer. Tu vas bien t'occuper de M. Camara. Tu vas bien t'occuper de ton mari. Parce qu'il était malheureux à la FEO. Au temps du président Alpha Condé ici, qu'est-ce que vous n'avez pas eu ici? Mouvement des jaunes, combien de milliards vous avez fait sortir? Combien de tracteurs toi tu as eu? Elle est la Sénèle et qu'elle a toujours, il n'y a pas de production. Si ce n'est pas piment, c'est, je crois, c'est gombo. Ibrahim Mouké, fouille des propagandistes. On t'a pas, ton décret n'est pas sorti ici. Ils ne t'ont pas nommé du côté de Topaz. Quand toi tu ne travailles pas, quand il s'agit de faire de la propagande là, vous allez vous assumer après cette transition. Si vous pensez que Mamadi est éternel, continuez vos bêtises. Mais le jour que Mamadi va tomber, chacun va s'assumer. Chacun va s'assumer après cette transition. Mamadi l'a dit, non? Qu'au pas de recyclage. Ok. Après Mamadi aussi, il n'y aura pas de recyclage. Des pourritures, là, on ne veut pas de... Des trompeuses comme vous, là, on ne voudra pas de vous. Djaïli Luma Fenedi.
où on est en train de tuer les enfants des gens. Manifester, c'est un droit. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. On met autant de Guinéens à la retraite. 19 200. Les jeunes n'ont pas droit. Ceux qui vont à l'école, où est le mérite aujourd'hui? Où est le mérite en Guinée? Où est le mérite? Alouna Filou. Depuis le bandit est venu, l'affaire de courant. L'affaire de courant. Depuis le bandit est venu, il a donné quel courant aux Guinéens? Nos routes sont gâtées aujourd'hui. Vous les nafigui. Quelqu'un qui n'a même pas été élu. Si lui, il veut rentrer, comme s'il est président, un bandit. Pourtant, c'est lui qui disait ici. Ah, personnalisation de la chose publique. Le peuple n'acceptera pas. Et c'est vous les propagandistes. Mamadi a été élu par qui? Non, non, non. La famille, il faut qu'on se réveille. Nous faisons une prise de conscience. Tout le problème en Guinée aujourd'hui, personne n'est derrière ce putsch, c'est la France. Et vous avez vu des évidences, des preuves. Le jour du coup d'État, vous avez vu des mercenaires. Vous avez vu des mercenaires pour aider Mamadi à renverser le président Alpha Condé. Le jour du coup d'État. Ne serait-ce que ça, ça doit vous suffire. Et aujourd'hui, la propagande des médias français sur la Guinée, ville meurtrière, tout le monde a vu les images. Et je vais vous montrer encore d'autres images. Parce que les Français pensent qu'ils peuvent tromper les Guinéens, qu'ils peuvent nous tromper. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Quand eux, ils disent, Air France 24 dit que les boutiques étaient ouvertes. Et ça là, c'est où? France 24. Je crois qu'il y a deux Guinéens. Lorsque France 24 va faire de la propagande, tout ça là, c'était hier. Ça, vous allez appeler ça que une... Ici là, la vie fonctionnait normalement. Hein? Et la deuxième vidéo. Minute, la famille. Ce qui devait être un consigne. Voilà. Vous avez vu hier le retour du bandit. Regardez le long des routes. Je ne dis pas à l'aéroport où ils ont pris les travailleurs de l'État pour aller accueillir le bandit. Regardez. Personne, à part les jeunes qui ont filmé là, regardez, personne le long des routes qui ovationnait. Ça doit vous donner à réfléchir. Personne le long des routes. Sinon, si Mamadi était aimé, tous ces véhicules garés, regardez, tous ces véhicules garés, les gens allaient sortir pour l'acclamer. Mais vous êtes en train de forcer ces peines perdues. Même si vous dites à tous les travailleurs de l'État, l'administration, ça ne dépasse pas 120 000. Tous les travailleurs de l'État, les militaires, tout ça, là, ça ne dépasse pas 120 000 personnes. Et le peuple de Guinée, c'est plus de 14 millions de Guinéens. Donc, vous faites exprès. Ça, on vous le dit. Hein. Vous faites exprès, je vous ai dit. Même si vous appelez tous les travailleurs de l'État, ça ne dépasse pas 120 000 personnes. Donc, ça doit vous donner une leçon. Les images turques que vous montrez, ça c'est l'image ça. Mamadi qui passe, regardez, là, tout le monde est garé de l'autre côté. Qui est en train d'ovationner ici? Qui est en train d'ovationner Mamadi ici? Qui est en train d'ovationner? Personne. Les Guinéens sont fatigués de vous. Le courant qui était là avant le 5 septembre n'est plus là. Le sac de riz qui était vendu à 230 000 est à près de 400 000. Le nombre de travailleurs à la fonction publique, lorsque vous prenez 19 200 personnes, vous les envoyez à la retraite sans mesure d'accompagnement, sans recruter les jeunes. Vous avez fait quoi? Nos routes aujourd'hui sont dégradées. Tanene qui est juste à côté. Dubreka qui est juste à côté. Regardez la route de Dubreka. Regardez la route de Frokaria. Regardez la route de Tanene. Juste à côté de Conakry. Ils sont incapables de refaire ces routes. Avec ça, qu'on a co-refondation. Refondation de qui? Un groupe de vauriens, un groupe de bandits. Et les propagandistes pensent que non, ils peuvent endormir le peuple. Moi, je vous ai dit, allons-y seulement. Wallahi, Mamadi va sauter avant le 31 décembre. Fouita ça, Srakatala, Fouita là.
Les imams que vous avez fait venir, aujourd'hui vous êtes en train de prier dans les mosquées. Dieu est juste. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Vous vous rappelez, en 2009, tous les Guinéens étaient inquiets. Les politiciens, tout le monde. Est-ce que Dadis allait partir? Mais le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le président Alpha Condé est parti, non? Dadis est parti, non? Si Mamadi pense que lui, il est béni, il se trompe. J'ai dit, les grands dictateurs sont partis, les El Béchir sont partis. Blaise Compaoré, vous avez vu comment il a fui son pays. C'est le monde, aujourd'hui, des nouvelles technologies. Ce n'est pas comme avant, où on pouvait tromper le peuple. Non, vous voyez aujourd'hui, vous fermez les médias en Guinée, mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. C'est ce que vous oubliez. Et nous, nous sommes plus tranchants que les journalistes parce qu'eux, ils obéissent à des règlements de la HAC. Nous, nous venons, l'information, on met devant le peuple de Guinée. Et les gens voient, c'est clair. Si vous pensez que vous pouvez continuer à endormir le peuple de Guinée, vous vous trompez. Ça, on vous le dit, hein, vous vous trompez. Ne vous fatiguez même pas. Bande d'opportunistes. Donc, notre Dakradian, c'est elle qui est devenue la propagandiste maintenant, qu'elle, elle va au marché. Propagandiste de France 24, la propagandiste. Attendez même, j'ai une vidéo d'elle ici, là. Vous allez la voir. Toi qui dis que tu pars au marché, j'avais même oublié la vidéo, là. Attendez, je vais retrouver la vidéo. C'est là que vous allez bien voir son Dakradian là-bas. Comme tu es devenu propagandiste, on va montrer ton vrai visage au Guinéen. Dakradian. Est-il mal à la fin? Attendez. Hein. Regardez, Dakradian. Regardez. Ça, c'est beau, ça. Dakradian, ou Amato. Regardez, ça c'est bouche ça là. Regardez. Hein? Tu n'as même pas honte. Toi tu dis que tu es femme de foyer. Ça c'est femme de foyer ça. Toi tu es femme de foyer comme ça. Dakradian. Tout est refait. Tout est refait. Parce que même quand tu vas bouche là, tu vas dire que c'est cul de dindon. Vous voyez le cul de dindon qu'on va à Koléa là. Hein? Bouche, on dirait cul de dindon. Regardez. Bouche, on dirait cul de dindon. Ou à des kirimato. Allo, koleyake, dindon nakandoma. Nan, mes modèles, mes berri, bori torore, et t'en as minima, français, remédia, a oule fala, attends, sigama makiti. Et t'en sigama makiti, mundu, oule fale. Alpha Condé attend, et t'en as nan, la propagandiste, et t'en, et moussa se colo, faux intérêt personnel. Faux intérêt personnel. Digne dit mouya guima go. Digne dit mouya guima. Non. Donc, je vais m'arrêter ici, la famille. Le combat continue. On est ensemble. Merci, Fatmata Keita, Mamadou Mouktar Diallo. Voilà. Votre propagande, là, ça ne marchera pas ici. Nous, c'est la Guinée. On s'en fout de la France. On s'en fout des Français. Nous, c'est le peuple de Guinée. Et le peuple va nous écouter. Voilà. Barry Saraya, merci à vous. Merci. Kuromadada Domani. Hein? Il va dire Dakara est là. Koleyake aura Dendon. Et Dendon Béli Naka, Nima Mene. Sambake Tazan, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. On est ensemble. On se reprend encore ce soir. Pas de recul face aux bandits du CNRD. La propagande, ça ne marchera pas. Voilà. Oumar Dieng, merci à vous. Merci à Aloussène Soumkante, Lamine Fanta Sissé depuis Colorado. Merci à vous. Merci à tous les vrais patriotes. Aïssatou Soare. Voilà. On est ensemble, la famille. Donnons-nous les mains. Pas de division pour chasser ces bandits. Oumou Fadiga Ndoy, merci à vous. Mamoudou
Attendez, le maudit là, je vais enlever encore un bâtard ici. On va continuer. Mamadou Fatou, ce que le président Alpha Condé a fait, moi je suis tellement fier du président Alpha Condé, le courage était là. La Guinée, les grands chantiers que les bandits se disent aujourd'hui qu'eux ils sont en train de terminer, tout ça c'est le président Alpha Condé. Je suis tellement fier du président Alpha Condé. Le projet Simandou qui est en train de dilapider, je suis tellement fier du président Alpha Condé. Au temps du président Alpha Condé, ni son fils, ni aucun membre de sa famille, aucun Guinéen n'a vu ces gens-là. Même aujourd'hui, à Conakry, pour dire, les maisons qu'ils ont, ils les avaient bien avant que le président Alpha Condé ne vienne. Ça, je suis fier du président Alpha Condé. Personne n'a vu un proche du président Alpha Condé en train de construire des étages. Je parle de sa famille. Je suis tellement fier du président Alpha Condé. Personne n'a vu Alpha Condé acheter avion ou bien de grosses voitures. Je suis tellement fier du président Alpha Condé. Toi, le nommé de Mamadou Koufa Toubari, là, je vous ai dit de soigner vos têtes là. Voilà. Khalifa Camara, merci. Mollaï Kolo Camara. Ah, c'est la journée des Camara aujourd'hui. Même la Dakaradjan, là, elle aussi, elle est Camara. C'est ça qui est monnaie chez nous. Sacrifice des Camara. C'est elle. Hein? Ibrahima Tarou Diallo, merci à vous. Diallo Diallo Costa, merci. Kroma Dada Domani, merci à tous. Les Ali Badra, merci. Djibé Baldé, merci à vous. Merci à tout le monde. Bah, le Guinéen, on se reprend ce soir, Inch'Allah. Moussa Fils Digne Touré, à ce soir encore pour d'autres vidéos. Bonne journée.